YouTube, ça y est, c'est la dernière ligne droite. On y est enfin. La fin du 106% de Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. Il nous reste, ben voilà, 5 gemmes à voir, 2 reliques. Et on va tout de suite retourner sur le premier niveau. Nighttime. Parce que je suis allé voir vite fait sur internet où est-ce qu'elle était cette gemme. Cette gemme bonus. Et en fait, apparemment, elle est quand même bien planquée. Elle est sur une plateforme qui bouge. Elle est genre à un endroit où on la voit vraiment pas beaucoup. Donc c'est parti, on va la récupérer rapidement. Je rappelle qu'on avait déjà eu toutes les caisses. Ah, la dernière fois j'avais dit que c'était un bon niveau. Mais comme quoi il a encore quelques défauts. Hein. Apparemment là ouais, la gemme est quand même bien planquée. Donc en gros si tu fais le niveau, imagine tu fais le niveau en casu. Tu fais le niveau en entier comme ça, l'air de rien. Et puis tu finis le niveau et tu te dis mais attends j'ai rien eu. C'est quoi la récompense? Bah la récompense elle est au-dessus. Voilà, du coup, je suis mort. J'ai pas réussi à sauter. Mais elle est là. Elle est juste là. Ça, faut le savoir. Hein. J'aime pas le timing en vrai. Et c'est bon. Ok, maintenant on l'a, on va pouvoir terminer le niveau rapidement. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je me fais toujours avoir par celui-là. Ça va, on a 2 masques, tranquille. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Faut le savoir qu'elle est en haut. Hein. Bowling solaire. Oh, j'adore ce niveau. C'était un de mes niveaux préférés quand j'étais... Enfin, la première fois que je l'ai fait. Il y a des années. J'ai adoré ce niveau. Ok. Ok, le chrono il est là, mais d'abord on va se concentrer sur les caisses évidemment. On a 86 en tout dans ce niveau. Forcément un truc là. Ah oui. Ah, on peut pas remonter, ok. Je me rappelle avoir tryhardé la platine là-dessus. Bon, on va pas le faire ici, mais on va pas le faire sur ce let's play, je vous joue tout de suite. On va juste se contenter de la relique de Saphir, ça suffit pour le 106%. Ok, Tini, est-ce que tu peux me laisser passer s'il te plaît? Merci. On est quand même sur des putains de météorites, hein. Ça c'est quand même bien badass. Hein.
Il n'y a plus rien à faire, ok, bah je vais descendre. Voilà. Un petit checkpoint quelque part. Oui, bien sûr. Ah bah y'a la gemme, ok. Ah là c'est pareil en casu, imagine tu traces juste tout droit sans explorer. Tu sais pas qu'il y a une gemme tu sais pas qu'il y a une gemme en vrai. En tout cas, j'espère que vous appréciez toujours ce let's play 106%. Je fais ça pour vous, hein. Comme ça, vous avez plus à le faire à la maison. Aïe, 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 ce jeu quand même, hein. Ça n'a rien à voir avec les trois premiers crashs. Mais il a du charme, il a son petit charme, je trouve. Il apporte quand même quelques niveaux sympas, notamment celui-là. Ok, j'espère que j'ai pas loupé de caisse. Ouais, 16 à avoir. Là il y a la fin, c'est ça? Ok, là il y a la fin. Tu peux encore aller de l'autre côté. Tout n'est pas perdu. Espace, on est dans l'espace. Putain, ça me rappelle Portal 2. J'ai trop envie de refaire Portal 2. Attends, quoi? On est d'accord qu'il y avait 4 caisses ici. On est bien d'accord, j'ai pas fumé, il y en avait 4. Il m'en manquait 3 dans le compteur. C'est toujours mieux qu'on en ait plus que qu'on en ait une de moins, quoi. Donc on viendrait. Ah oui, j'ai oublié la gemme, hein. Voilà. Bon, maintenant on va prendre la relique. La relique, c'est combien? Une minute tout rond. Ouais, ok, d'accord. Va falloir que je m'habitue à la trajectoire quand même. Que je sache exactement où aller. Bon, là déjà faut tomber comme ça. Prendre la caisse, là faut tourner. Là tu penses que tu peux sauter direct. Par contre après je n'en sais rien.
Ah si, j'entends déjà le... l'arrivée. Ça va aller pas si loin. Il va juste falloir éviter les nitros. Ah non, il n'y en a pas. Si, il y en a. Comment ça, il n'y en a pas? Bon bah cool. Je re bientôt, pas de problème. Même si là, je pense que le stream va bientôt être terminé vu que... Là, je sens que... Là, on vient de finir l'avant-dernier niveau. On va faire le dernier. Into boss, into cinématique de fin. On y est presque. 30 secondes, donc, la relique. En vrai, c'est faisable. Je l'avais déjà fait dans mon ancienne partie. Mais bon. Gold, c'est déjà bien. Ça suffit pour... Pour le 106%, on va faire le dernier niveau, ça y est. Dernier. Avec Coco. Tiens, tiens. Ah ouais, d'accord. Bon, là aussi, ça va être galère pour avoir toutes les caisses. Bon, j'en ai déjà loupé une. Lui, les nitros, il les traverse, hein. Il n'y a pas de problème. Nitro, il a pas peur. Hein. En vrai, le bon plan, c'est de pas aller à fond. Il y a les molos. Et là, faut sauter. Okay. Ah là, j'ai loupé. J'en ai déjà loupé tout à l'heure hein, des caisses, donc on va simplement terminer le niveau une fois. Ça a pas l'air d'être la fin du monde, les caisses. C'est difficile, mais pas insurmontable. Ça dépend de la longueur du niveau après. Ok, la gemme est là. Ah là, faut pas sauter. Ok. Subtilité là. L'arrivée, elle est là. I see. Ok. On a le masque doré, bon, allez hein. En vrai, j'ai envie de faire la relique tout de suite, comme ça j'en suis débarrassé. Et après on fera la caisse. Enfin, on fera toutes les caisses. Donc, je profite de mon double masque en vrai. Merde, j'aurais pu avoir l'invincibilité, ça aurait été bien. Oh bah. Quand on parle du loup. Celle-là. Si celle-là.
Non. Ah non. Pas comme ça. Je crois que c'est une 10 le saphir. On est bon. Yes, ok. secondes. Donc 105, bah il nous reste plus que la gemme des caisses. Aïe aïe aïe. Je suis trop content en vrai. Ouais, faut pas que j'en loupe une hein. Au pire je meurs, il y a pas de checkpoint. Ça c'est bien par contre. Pas de checkpoint donc je peux mourir si jamais je loupe une caisse. Oh putain. En plus c'était un masque. Voilà par contre ouais. Pity mask soon. I can feel it. Oh, come on! Ok, peut-être on va essayer de... Ouais, de jouer un peu avec les cycles. Je pense que ça peut faire une différence. Que ça a pas l'air. À première vue, ça a pas l'air. Bon, tu vas me laisser tranquille cette fois ou... Merci. Ah, j'ai tellement pas envie d'en louper une. Ah non. Ah oh, vas-y. Et puis ouais évidemment je peux pas retourner en arrière hein. Ce serait trop facile. Ok. Bah c'est pas fini hein. Comme vous pouvez le voir. Le problème des auto-scrollers entre guillemets où on peut pas revenir en arrière. Dans le niveau de moto dans Crash 3, si c'était des bons souvenirs, voir toutes les caisses.
ta 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 ta. Je vais le louper. J'ai littéralement pris toutes les caisses, sauf une, celle des nitros. Ce jeu me fera chier jusqu'au bout. Putain, et même pas je peux sauter au-dessus de la barrière pour aller donner un coup dedans. Non, même pas. Pas le droit. Putain. Oh là là. Ouais ouais dégage. Oh mais vas-y. Putain. Jeu de merde. J'en peux plus. Bon, à la fin, faut pas que j'oublie que la caisse de nitro est tout à gauche. Oh, je plains les speedrunners qui font 106% de ce jeu. Ah, tiens, Hypnoshark, il va le faire demain. On va bien rigoler. Je vais me mater ça. Tranquillou. Demain après-midi. Je crois que je l'avais loupé, hein. Je crois que j'avais loupé le saut. Là, je le prends intentionnellement, le dégât. Ok.
Oh enfin. T'as toutes les nitros qu'il y a dans ce niveau, n'empêche. Il y a 40 caisses normales, le reste c'est des nitros. Yes! Bah écoutez les amis, on y est. Regardez. 106%. Il ne reste plus qu'à rebattre une dernière fois Cortex. Pas Crunch. Et on en aura terminé avec ce jeu. Voilà. Donc c'est parti. On va avoir la vraie fin. Incroyable. Évidemment, Crunch qui nous dit je vais te casser la gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur des boutons. C'est un peu la tristesse quand même. Merde, j'ai oublié de. Merde. C'est vrai qu'il faut le tirer dessus au bazooka. J'avais complètement oublié. Bien. Ta 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 ta. Allez, dernière phase. Yes. Oh là là. Et c'est fait. Allez, le lore maintenant. Tu ne me laisseras donc jamais gagner. Qu'est-ce que tu veux de moi, crétin? Non, Ouka Ouka, je peux tout expliquer. C'est trop tard maintenant. Tu n'aurais peut-être pas dû faire ça. Oh non. Où suis-je? Eh, pas si vite. Cet horrible savant ne me contrôle plus. Où est ce pitoyable dégénéré? Nous avons autre chose à faire, Crunch. Alerte. Surcharge électrique dans la station spatiale infernale. Sauf qui peut. L'arc électrique a provoqué une petite réaction en chaîne. Il serait plus sage de se diriger vers les nacelles d'évacuation. C'est ta faute. Si tu t'étais pas écarté du chemin, tout cela ne serait pas arrivé. Ça ne me dit rien qui vaille. Hé, je vous dépose quelque part? Crash, Coco, Aku-Aku, je vous suis tous très reconnaissants. Si vous n'aviez pas été là, le docteur Cortex me contrôlerait toujours. Merci à tous d'avoir cru en moi. Je t'en prie, Crunch. Dis, tu crois qu'on est enfin débarrassé du docteur Cortex et de Ouka Ouka? Si seulement c'était vrai, mes enfants. Malheureusement, il en va autrement. Imbécile, idiot, abruti. Nous avons atterri au milieu de nulle part. Aïe!
Attendez, je peux tout expliquer. Je me vengerai, Crash, prends des coudes. Tu ne perds rien pour attendre. Aïe, aïe, aïe. Et ouais. Bon bah voilà. We did it, guys. On l'a fait. Alors la suite, évidemment, c'est une sanity. Hein. Là, ils sont en plein dans l'Antarctique. Et 3 ans plus tard, c'est pour ça qu'on voit le 3 ans après, au début de Twin Sanity. C'est juste qu'on dans la cinématique de fin, on voit pas du tout les masques des éléments quoi. Ils sont plus là quoi. Volatilisés. Ah puis cette station spatiale infernale, j'ai. Ouais. Bah c'est la vengeance de Cortex quoi. Hein. On l'aime tel qu'il est. Non, en vrai, c'est pas un jeu de merde. Je dirais pas que c'est un jeu de merde. Loin de là. Il y a bien pire. Hein. On s'est quand même bien amusé. Il y a des niveaux qui sont vraiment intéressants. Bon, là, les derniers en auto-scroller pour avoir toutes les caisses, bonne chance. Mais voilà. Il a son charme. On s'est bien amusé en vrai. On a bien rigolé. Et donc le prochain let's play ce sera samedi prochain. Pour toi YouTube ce sera sûrement demain ou après-demain, je sais pas quand elle va sortir la VOD, mais voilà, on attaquera le Crash qui est sorti après, donc c'est-à-dire Crash Nitro Kart sorti en 2003. On va aussi le faire sur PS2 hein. Sur PS2, voilà. Il devrait aller un peu plus vite évidemment vu que c'est un jeu de course et il est un peu plus court. Je crois qu'il est même plus court que CTR. Et voilà, on va encore prendre beaucoup de plaisir sur Crash. On est encore loin d'avoir fini. On est encore loin d'avoir fini avec les jeux Crash. Et laisse-moi sauvegarder maintenant, comme ça c'est fait, c'est validé. %106. Voilà, je te laisse là-dessus YouTube. Et donc on se retrouve pour un prochain let's play sur la chaîne. Bye bye, des bisous.